Madame Mutel, bonjour. Vous représentez Opcalia Languedoc-Roussillon. Présentez-nous brièvement votre organisme. Donc, Opcalia est un organisme paritaire collecteur agréé. Nous faisons partie du réseau national d'Opcalia et nous sommes le second OPCA au niveau national. Nous avons une compétence interprofessionnelle et interbranche. Nous sommes en effet reconnus pour notre mission de collecte et de gestion des fonds de la formation professionnelle continue. Mais notre vocation et notre cœur de métier consistent prioritairement à conseiller et accompagner les entreprises afin d'optimiser leurs ressources humaines. C'est pourquoi nous offrons une large gamme de services personnalisés à destination des entreprises adhérentes et non adhérentes. En effet, les entreprises de plus de 10 salariés, hors obligation légale, peuvent choisir leur OPCA, quel que soit le secteur d'activité. C'est une démarche qui permet à l'entreprise de rester maître de son plan de formation, de ses priorités, de ses choix de prestataires et d'avoir accès aux financements régionaux, nationaux, européens apportés par Opcalia Languedoc-Roussillon. Vous êtes partenaire de l'association du PESC. Pouvez-vous nous expliquer les avantages proposés aux adhérents? En effet, nous sommes partenaires depuis assez longtemps avec le Pôle économique Saint-Charles. Le Pôle économique Saint-Charles est une association qui se veut dynamique, qui se met au service de ses entreprises adhérentes. Et ce sont vraiment des valeurs que nous aussi, Opcalia, nous représentons au niveau du département et au niveau régional et au niveau national. C'est pourquoi le partenariat se décline sur le département grâce au guide d'action collective que nous éditons chaque année. Donc, ce guide d'action collective se compose de 9 thématiques transverses, donc des formations sur 9 thématiques transverses. Et le financement, le cofinancement apporté par Opcalia est à une hauteur de 80% pour les entreprises adhérentes du pôle économique Saint-Charles. Madame Mutel, merci. Merci à vous. Madame Legros, vous êtes responsable de l'entreprise Legros Bio. Pourriez-vous nous présenter brièvement votre société? Oui, bien sûr. Je m'appelle Yvonne Legros. Je suis gérante de la société Legros Biologique. Je suis venue de l'Allemagne il y a 13 ans pour travailler à Saint-Charles. Il y a 10 ans, j'ai créé la société. Nous sommes maintenant 9 personnes. On travaille très proche avec Alma et Sendra Logistique. Et surtout, on travaille exclusivement les fruits et légumes biologiques. Nos forces sur la production, c'est notre ferme au Maroc et nos partenaires en Espagne. Notre chiffre d'affaires estimé pour cette année est entre 7 et 8 millions d'euros. Et nos clients sont surtout à l'export, les grossistes spécialisés en Allemagne, en Suisse, et 30% de notre chiffre d'affaires on fait en France. Votre entreprise est adhérente au Pôle économique Saint-Charles et vous avez suivi les formations négociées pour vous par l'association. En êtes-vous satisfaite et que vous ont-elles apporté? Oui, je suis très satisfaite. Je fais une formation de management avec Madame Villain et il avait le Pôle emploi Saint-Charles qui a proposé la formation technique de vente. J'ai envoyé mes commerciaux. Je suis très contente avec les résultats avec lesquels ils sont revenus. Ils ont pu augmenter le chiffre d'affaires de petites et moyennes clients. C'était le but de cette formation. Les commerciaux, ils arrivent beaucoup mieux à communiquer avec les clients et surtout entre eux. Les réunions, ils sont maintenant beaucoup plus précises et ils rapportent beaucoup plus de résultats. En plus, il ne faut pas oublier, le bruit dans le bureau commercial l'a beaucoup baissé parce que les commerciaux, ils arrivent beaucoup mieux à gérer leur stress quotidien. Madame Legros, merci. De rien, au revoir. Patricia Villain, bonjour. Vous êtes responsable du cabinet formation Propulse Conseil. Vous êtes partenaire du PESC. Quelles actions collectives référencées par Opcalia proposez-vous à nos adhérents? Donc en effet, Propulse Conseil est un cabinet de conseil et de formation. Nous travaillons avec vous depuis maintenant plus de 5 ans, avec des actions donc qui varient au niveau des thèmes, dans le domaine de l'accueil, dans le domaine de l'efficacité commerciale auprès du PESC.
Donc cette année, nous venons juste de terminer une formation, les techniques de vente et de négociation par téléphone que l'on a proposées spécifiquement aux vendeurs fruits et légumes du marché Saint-Charles. Donc nous en sommes à la quatrième action sur ce même thème puisque nous avons un franc succès. Les pratiques en effet sont justement retravaillées et permettent à ces commerciaux d'avoir encore d'autres perspectives pour développer leur clientèle. Donc nous chercherons à aller encore au-delà de ça, répondre au mieux aux attentes de vos entreprises adhérentes, voire même élargir donc d'autres offres de formation sous forme d'action collective, puisque cela permet à vos adhérents d'être pris en charge d'une façon très conséquente grâce aux fonds européens, à Opcalia et aux fonds État et Région. Quelles autres actions mettez-vous en place au sein de nos entreprises adhérentes ? Donc, le cabinet Propulse Conseil est un cabinet dont la vocation est d'accompagner les entreprises dans leur efficacité. Ce qui veut dire que nous travaillons sur des solutions globales. Au-delà de la formation, nous mettons en place aussi des actions de conseil. Donc, nous travaillons à partir d'une problématique ou d'un besoin qu'a l'entreprise de votre pôle. Et nous lui apportons des réponses face à ce besoin. Ces réponses peuvent être traduites sous forme de formation, tout comme sous forme d'action de conseil. Donc nous touchons différents domaines, en fait, aussi bien le domaine managérial, l'efficacité commerciale et tout ce qui a un lien avec les relations humaines. C'est ainsi que nous avons travaillé avec Madame Legros, de la société donc Legros Bio, qui en fait, avec qui nous avons travaillé sur une problématique beaucoup plus large, je dirais un besoin beaucoup plus large que celui de former ses commerciaux. Nous avons également travaillé sur recréer une cohésion d'équipe, transformer les conflits internes de façon à ce que l'équipe devienne extrêmement productive, au-delà de cette formation en action collective. Nous travaillons notamment sur le bien-être au travail, en travaillant sur la gestion du stress. Madame Legros travaille notamment dans l'idée que les commerciaux peuvent gagner en efficacité à partir du moment où on les aide à prendre du recul. Donc nos solutions sont complètes et nous nous mettons à la disposition de vos entreprises adhérentes pour travailler sur tous ces sujets qui ont un lien avec gagner en efficacité. Voilà. Jean-Marc Servat, bonjour. Bonjour. Présentez-nous la maison de la formation de la CCI DPO, qui, je le rappelle, est située en plein cœur du pôle économique Saint-Charles. Alors, la maison de la formation de la CCI, c'est le premier centre de formation professionnelle du département. Donc, c'est un centre de formation qui couvre tous les champs de la formation professionnelle, aussi bien en formation professionnelle initiale, puisqu'il y a plus de 700 apprentis qui sont formés ici, dont une partie sont d'ailleurs salariés dans les entreprises du PESC, que la formation professionnelle continue, puisqu'il y a plus de 1500 salariés, chefs d'entreprise qui sont formés, que des formations demandeurs d'emploi. Il y a près de 350 demandeurs d'emploi donc, qui sont les futurs collaborateurs des entreprises de la zone qui sont formés. Et il y a aussi quelques étudiants et quelques particuliers qui sont formés. Donc sur ce centre de formation, il y a un peu plus de 3500 personnes qui sont formées chaque année. Vous êtes partenaire du pôle économique Saint-Charles et au service de ces entreprises. Que proposez-vous aux adhérents ? Alors, ce que l'on propose, c'est avant tout un service donc complet, puisqu'on a dit que tout à l'heure, on était sur la totalité des champs de la formation. Donc, c'est un service de proximité. On est au cœur du PESC. On est là sur des activités de formation, on est là sur des activités de conseil, on est là sur des activités d'accompagnement administratif, ne serait-ce que pour, si on prend l'exemple de la signature des contrats d'apprentissage, le service d'enregistrement, il est ici. Donc c'est ce service de proximité. Ce sont également quand même des actions de formation qui collent aux besoins des entreprises de la zone. On a le centre de formation au métier des fruits et légumes qui est sur Saint-Charles, donc qui forme chaque année des commerciaux pour les entreprises de la filière fruits et légumes, mais qui forme aussi des jeunes sur les métiers de la logistique et de l'entreposage. Et puis, le fait qu'on soit sur la zone du PESC et partenaire du PESC nous permet également de mettre en œuvre des formations qui sont conventionnées avec le PESC et Opcalia. Et donc à ce moment-là, les adhérents et membres du PESC bénéficient aussi des conditions qui ont été négociées avec Opcalia. Quelles nouvelles actions programmez-vous pour nos adhérents dès à partir de la rentrée ? Alors,
Bon, chaque année, il y a un certain nombre d'actions de formation nouvelles, puisque les besoins des entreprises évoluent. Donc, on a à la fois des formations nouvelles en apprentissage. On ouvre à la rentrée de septembre une formation de responsable de développement commercial en apprentissage. Donc, ça, c'est des jeunes qui ont déjà un bac plus 2 commercial et qui veulent aller vers un bac plus 3. On développe aussi les formations sur l'entreposage, la logistique et les formations obligatoires comme les CACES, puisqu'on a depuis un peu plus d'un an, on a un entrepôt école qui est avenue Julien Panchaud, donc qui est vraiment à proximité. Et puis on ouvre aussi des cycles de formation régulièrement pour les salariés, pour les chefs d'entreprise. Et on a par exemple, à la rentrée d'octobre, on a un cycle de formation sur la gestion financière. Et on invite toutes les personnes qui seraient intéressées à venir au petit déjeuner de présentation de ce cycle qui est prévu le 21 septembre. L'ensemble des nouveautés pour les salariés et les chefs d'entreprise, de toute façon, fait l'objet d'un calendrier qui récapitule toutes les formations, qui est envoyé à la rentrée de septembre et qui va couvrir la fin 2012 et début 2013. Monsieur Jean-Marc Servat, merci. Merci à vous. Jean-Pierre Navarro, bonjour. Présentez-nous le groupe Sotranasa. Notre métier, c'est la réalisation de réseaux. Donc nous dépendons des travaux publics et c'est les réseaux, à la fois les réseaux secs, donc nos clients sont France Télécom, EDF, GDF, également les réseaux humides, donc tout ce qui est canalisation d'eau d'égout. Et depuis à peu près 7 ans, nous avons diversifié un peu notre poste client en nous engageant vers des énergies renouvelables, donc pour développer pour les économies d'énergie, donc et puis un nouveau métier tel que les toitures solaires, puisque nous avons participé donc à la réalisation donc du chantier de Saint-Charles, donc qui représente 77 000 m². C'est un chantier de 2 ans et demi qui a pu faire travailler chez nous une vingtaine d'agents et en tout 110 agents pratiquement pendant 3 ans quoi. Donc aujourd'hui, alors nous sommes présents, mais sur le siège c'est à Perpignan. Nous sommes à peu près 280 personnes aujourd'hui donc dans le groupe. Donc le siège est sur Perpignan, mais nous avons une agence donc depuis 81 sur Montpellier, une sur Béziers, donc une sur Carcassonne, une sur Toulouse. Et nous venons d'ouvrir cette année donc une antenne à Alger, donc puisque on manque un peu d'activité en France. Donc on a créé cette agence donc qui démarre cette année à Alger. Donc on va voir ce que ça donne avec le commerce international. Quelle est la taille et l'organisation de la Sotranasa à Perpignan? Alors, la taille et l'organisation de Sotranasa à Perpignan, sur Perpignan, donc on doit être à peu près 130 personnes. Il y a tout le staff, bien sûr, il y a tout ce qui est back-office, c'est-à-dire toutes les ressources humaines, les achats, donc la logistique, le matériel. Donc, et après, donc, c'est piloté après depuis Perpignan pour chaque agence. Donc, alors nous, la particularité, c'est de faire des gros chantiers et nous nous déplaçons donc en fonction des chantiers qui durent assez longtemps. Des fois, c'est 1 an, 2 ans. Donc, on se déplace et bon, la logistique est organisée par Perpignan. Quels sont les marchés auxquels vous répondez? Alors, les marchés auxquels on répond, c'est essentiellement donc les marchés bien sûr de nos clients privilégiés. Donc, c'est France Télécom, EDF, GDF. Mais également donc, les collectivités territoriales, donc les gros chantiers privés, type par exemple le chantier de Saint-Charles, donc également donc, des gros chantiers photovoltaïques pour des entreprises privées telles que des CER qu'on a fait récemment. Donc, et puis aussi à tout ce qui est donneur d'ordre, donc soit par l'intermédiaire d'architectes, soit par l'intermédiaire des communautés de communes. Donc on répond sur des appels d'offres d'éclairage public. Des appels d'offres donc de photovoltaïque, de solaire thermique, de solaire photovoltaïque également, donc sur essentiellement tout le département. Parlez-nous des perspectives d'avenir que vous envisagez. Alors les perspectives d'avenir pour nous, donc c'est aujourd'hui on est en train de vivre une période compliquée puisqu'on s'aperçoit enfin la crise, on voit qu'elle est installée partout aujourd'hui. Au-delà d'une crise, donc, c'est quand même un bouleversement qu'on est en train de vivre et qu'on commence à vivre depuis quelques temps, puisque je crois que nos instances européennes s'en sont aperçues déjà depuis le traité de Lisbonne, où on nous a dit qu'effectivement,
les entreprises en Europe donc devront se développer à partir donc de l'innovation et de la formation. Donc pour nous aujourd'hui, il faut s'investir vers de nouveaux marchés. On s'aperçoit que notre croissance est très faible, donc on nous annonce 0,3% aujourd'hui. Donc les chefs d'entreprise d'une manière générale ont quelques soucis sur leur plan de charge. Donc nous, notre idée, c'est de s'engager sur le développement durable, c'est-à-dire que on a créé une antenne sur Guéridot, donc avec un magasin donc qui puisse démontrer aux particuliers toutes les économies d'énergie. Donc l'idée, c'est effectivement d'associer à nos activités fondamentales qui étaient la construction de réseaux, cette activité donc de développement durable, donc d'économie d'énergie, puisqu'on s'aperçoit que l'énergie elle augmente de plus en plus, donc l'économie d'énergie, d'activités annexes telles que haut débit, puisqu'on installe également donc le haut débit pour des collectivités. On participe également donc à des gros dossiers donc de partenariats public-privé pour amener le haut débit dans des petites communes. Donc on a fait 300 communes en l'espace de 2 ans. Donc notre volonté aujourd'hui, c'est d'être présent sur nos chantiers fondamentaux et puis ce développement durable. Vous avez une vraie culture managériale du développement durable, tant dans l'exploitation de l'entreprise, mais aussi au niveau de vos salariés. Vous pouvez nous en parler? Le développement durable chez nous dans l'entreprise, donc, puisque j'ai mes enfants qui prennent la relève, donc ils sont comme nous, donc vaccinés un peu au développement durable, et on s'aperçoit bien que c'est une nouvelle source de développement pour nous, puisque cette année, donc, enfin ça fait 2 années donc, où la partie énergie renouvelable s'est fortement développée. Effectivement, aujourd'hui on s'aperçoit que ça commence à se réduire suite au dernier décret qu'il y a eu. Donc aujourd'hui, donc, pour nous, c'est de nous engager vers cette démarche, même si aujourd'hui c'est contraignant, puisqu'on s'aperçoit qu'il n'y a plus de financement. On sait que dans nos métiers, donc des énergies renouvelables, beaucoup d'entreprises ont déposé le bilan, d'autres ont licencié. Donc on essaye effectivement donc de continuer à fonctionner avec nos agents, parce qu'avant tout, pour nous, c'est de préserver l'emploi, dans la conjoncture qu'on a aujourd'hui, qui n'est pas facile. Donc on a un gros défi aujourd'hui à mettre en œuvre, c'est à la fois d'assurer la pérennité des emplois, donc développement durable, c'est-à-dire qu'il faut assurer l'équilibre économique et qui est les fondamentaux, mais également l'avenir, le bien-être sociétal de nos salariés, la santé de nos salariés, donc et l'ensemble de ce qui fait la vie en communauté. Donc, alors aujourd'hui, c'est sûr que c'est un défi parce que je compare ça, c'est une fin de civilisation comme on a connu la civilisation romaine, donc là c'est une nouvelle civilisation qui s'ouvre. À mon avis, elle est vers ce développement du durable et elle va demander aux entreprises donc, des façons d'agir qui sont totalement différentes de ce qu'elles avaient avant, donc, c'est-à-dire c'est travailler ensemble. Donc, aujourd'hui, on a pu le montrer par exemple avec le chantier Saint-Charles, puisqu'on était 7 entreprises à travailler en groupement. Alors, ce n'est pas toujours évident puisque ce sont des concurrents qui se mettent ensemble pour travailler. C'est une révolution dans nos mentalités. On s'en aperçoit par exemple avec France Télécom aussi, où on n'est plus que 4 entreprises au niveau régional alors qu'on était 100 il y a serait-ce que 5 ans. Donc il y a un bouleversement des comportements, c'est travailler ensemble déjà. Et dans chaque entreprise, faire preuve d'agilité, parce qu'aujourd'hui, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. Donc il faut faire preuve de beaucoup d'agilité pour s'adapter à la conjoncture. Donc aujourd'hui, il y a une conjoncture qui est difficile et qu'il faudra s'adapter rapidement. Monsieur Jean-Pierre Navarro, merci. Je vous en prie. Le plaisir était pour moi.